Bonjour tout le monde, je m'étrangle, je commence bien la vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing avec la boutique Biggest Craft. Je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue car il y a en tout 6 kits de broderie et il y a 2 petits accessoires. Alors, les petits accessoires, je vais vous les montrer tout de suite. Hop, je vais déballer l'autre également. J'ai froid. Oh, il parle qu'il va peut-être neiger bientôt, là, dans le nord. Alors, voilà. Le premier... Voilà, donc c'est du métal. C'est un, comment on appelle ça? Eux, ils appellent ça un support enrouleur de fil. Voilà, c'est comme une cartonnette. À part que là, elle est en métal. Voilà, bon, elle est un tout petit peu lourde, mais ça va, rien de... Il existe plusieurs... en différentes couleurs, voilà. Moi, j'ai pris la couleur bronze, je crois. Ça existe en couleur or, couleur argent. Il y a encore une autre couleur, un peu comme ça, mais moins rouge, plus tirant vers le gris. Voilà. Donc, bon, je les ai pris pour voir ce que c'était, hein. Je les trouve très jolies, très très jolies, avec ses fleurs, ses petites arabesques. Voilà. Donc, ça, le support enrouleur de fil rouge antique, là ils appellent ça, ça c'est rouge antique. En étoile, j'ai pas marqué le prix, ça commence bien. Le deuxième, lui, est à 3,77 €. Donc, je vais vérifier. Mais ça doit être à peu près le même prix ou ça n'en est pas loin. Voilà. Mais je vous remets à l'écran comme d'habitude. Le deuxième, donc, c'est également un support enrouleur de fil, mais plus en forme de cartonnette. Voilà. Toujours en métal. Toujours en rouge antique. Alors là, vous ne voyez pas tellement rouge, hein, mais c'est il y a des reflets rouges dessus. Des perles. Voilà, de l'autre côté aussi. Voilà, et donc ça, c'est pareil, vous pouvez ranger un fil dessus. Voilà, comme dans ce sens-là, dans les deux sens, comme vous voulez. Mais voilà. C'est très joli. Ensuite, alors, je vais d'abord vous les montrer comme ça, et après, on se mettra certainement face, enfin, même sûr, on se mettra face bureau pour les découvrir en détail. Alors, c'est une collection... je suis glacée, pourtant le chauffage y va. C'est une collection de Dior et Sandé, pseudo Dior et Sandé. Ce sont tous du 14CT et ils sont tous sur le thème des oiseaux. Voilà, donc voilà le premier. Donc, alors celui-là c'est Blue Tit. Donc, bon, j'essaierai de retrouver le nom des oiseaux en français. Ici, le bullfinch. Voilà. Le shalom bird, je ne sais pas comment on peut prononcer. Auriole.
sont tous très jolis. Hein. Alors, ici, le Kingfisher, donc Martin Pêcheur, ça je sais. Ça, ça, là, oui, ben là aussi, Hollywood Picker. le Woodpecker, donc ça c'est la oh. Comment il s'appelle cet oiseau en français, oh, je sais plus, ah bah je sais plus, bon c'est pas très grave. On va se mettre face bureau, enfin face table, puisque je suis dans ma salle à manger, pour découvrir en détail ces kits. On va commencer ben, par un Woody Woodpecker. Alors, ce sont des petits kits, hein, bien sûr. Hop, voilà. Alors, dans quel sens? Je cherche le sens. Ah, voilà, comme ça. Donc, voilà. Bon, c'est surtout du bloc, vous hein, voyez. Il n'y a pas de, de confetti réel. C'est surtout du bloc. C'est une petite broderie donc qui mesure dans les 20 sur 20 à peu près. Alors je vous montre au niveau de l'impression. Il y a un petit décalage quand même. Il y a un petit décalage, pas partout. Il y a des endroits où il y a un petit décalage. Vous voyez là par exemple. Ici, vous voyez. Et donc du coup là c'est pareil. Oh, excusez-moi, je bâille en même temps, mais il est toujours tard quand je fais mes vidéos en ce moment. Alors là, on va avoir. Du coup, j'ai commencé par la toile. D'habitude, je commence par la grille, mais bon. La grille n'était pas sortie. Elle veut pas, si. Voilà. Vous voyez. Bon, il va y avoir du point arrière hein, et du point nœud. Voilà, du point arrière, du point nœud et 30 couleurs en point de croix. Niveau impression papier, ben là, il n'y a pas de problème. Hein, c'est toujours nickel. Et niveau couleur. Alors, c'est les plaquettes qu'on aime bien, vous voyez. Alors, on a nos deux aiguilles. Hop, 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 hop. Allez. J'enlève les nœuds. Voilà. Jolie couleur. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Alors, je vous donnerai les prix après, puisque là, il y a des prix... si vous prenez en lot ou si vous prenez à l'unité, voilà. Allez, rentre là-dedans. Le deuxième, donc le petit Martin Pêcheur.
Alors, au niveau de la toile, bah, c'est toujours pareil, hein, vous voyez. Niveau couleur, alors on a 29 couleurs. Voilà. Voilà. On va pas trop s'attarder, hein. De toute façon, ils seront tous pareils. Donc là, au niveau patron, bah, c'est pareil. Voilà. Du point arrière, du point nœud. Là, on va 29 couleurs en croix. Ah non, il n'y a pas de point nœud là. J'étais mauvaise langue. Et il y a 3 points arrière. Voilà. Donc les pseudo du SMD comme ici, si vous voulez pas le broder en estampé, bah, il vous suffit de laver la toile. Donc toutes les impressions partiront. Ou sinon, bah, vous pouvez garder les fils, le patron, et choisir une autre toile, hein, si vous préférez broder sur une étamine, sur du lin, sur je ne sais quoi. Voilà. Je ne sais plus si elle existe en point compté, mais je ne crois pas. Mais bon. Donc, on a nos couleurs. Voilà. Voilà. Hop. Bien sûr, il y avait les deux aiguilles, hein, comme d'habitude. Donc, celui-ci, voilà. Alors là, il a un point nœud. Il y a du point nœud dans celui-là. Tous les ronds là, tous les ronds c'est du point nœud, et bien sûr il y a du point arrière également que l'on découvre sur le patron papier, voilà, comme pour les autres. Et donc 29 en point de croix, un seul en point nœud et 4 en point arrière. Voilà, on est arrivé à la moitié. Désolé pour le bruit, mais il faut bien que je remballe tout de suite, sinon il va y avoir des cafouillages, comme on dit par chez moi. Donc, celui-ci, alors ça ressemble à une hirondelle, celui-là. Ouais, je crois que c'est une hirondelle. Allez, ça. Voilà. Donc, c'est toujours un bloc. Hein. Il y a pas de confetti. Hein. C'est vraiment des toiles très faciles à faire. La toile soirée télé, moi j'appelle ça. Alors ici, on en a deux sur une plaquette. Et le reste sur une autre plaquette, bien sûr.
Voilà. Oh là 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 là. Je vous ai fait tomber. Ça va? Vous n'êtes pas, vous êtes pas fait mal? Voilà. Voilà. Donc des jolies couleurs pour cette hirondelle. Hop. Donc niveau patron, c'est toujours pareil. Hein. Si j'arrive à le sortir, il veut pas. Voilà, il y a du point arrière. Et voilà, 32 couleurs en point de croix, un point nœud et 3 couleurs différentes pour le point arrière. Hop, voilà. Ici, peut-être un rouge-gorge. Oh, pardon, je vous ai pas... Ouais, c'est peut-être un rouge-gorge ici. Il y a du violet, il y a du... Non, je suis pas sûre du coup que ce soit un rouge-gorge. Je vais mettre comme ça, ça ira mieux. Là. Voilà. Alors ici, hop, pareil, la toile est bon, c'est un tout petit peu plus compact à certaines parties, c'est-à-dire avec des... Oh, c'est pas des confettis, mais... Il y a un peu moins de points. Par endroit, c'est un tout petit peu plus mélangé, mais alors vraiment très léger. Donc, il y a un point nœud. Donc, c'est tout ce qui est rond rouge, comme ça. Vous voyez. Ça, c'est du point nœud. Le point de croix. Voilà. Et ici, on a le point ray. Le point arrière, et là en bas, le point de croix. Alors, niveau patron. Comme, tout, comme les autres, hein, il y a du point arrière, c'est bien imprimé, tout. Et donc, on a 27 couleurs de point de croix, une de point nœud et 3, comme je disais tout à l'heure, de points arrière. Voilà. Hop. Dernière toile, donc celui-ci avec le ventre jaune là. Donc, je vois pas ce que c'est là, ça me dit quelque chose mais je n'arriverai pas à tomber sur son nom. Alors
Oh, je crois qu'il y a beaucoup de couleurs. Hop, viens là, toi. Et le patron. Voilà. Donc, point arrière hein, aussi, comme d'habitude. Un peu de point nœud, voilà. Vous voyez ici, en blanc, les ronds. Mais bon, ça va, il n'y en a pas tellement. Si vous n'aimez pas de faire les points nœuds, vous avez plusieurs solutions. Donc là, on a 35 couleurs en point de croix, 1 en point nœud et 3 en point arrière. Je disais donc que vous avez plusieurs solutions. Alors, vous faites le point nœud comme c'est demandé dans le modèle. Vous mettez une perle. Vous brodez une perle tout simplement à la place du point nœud, ou alors bah, vous faites des croix, puis c'est tout. Si vous ne savez pas faire ni les broder les perles ni broder les points nœuds, vous mettez des croix et puis ça ira. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà la grille, enfin la toile. Désolée, j'ai un petit peu de mal à parler par moment, mais ça fait 2 nuits que je ne dors pas. J'ai d'ailleurs été à la pharmacie chercher des cachets parce que je me réveille la nuit. Et après, j'ai mal à ma langue, vous savez, mon syndrome que j'ai, ma glossodynie. Et j'arrive pas à me rendormir. J'ai très mal en ce moment et voilà. Bon, mais c'est pas grave. Donc voilà, toujours hein, du petit bloc, voilà. Je crois que c'est des toiles qui seront agréables à faire, hein, à broder. Alors. 35 couleurs. En voilà déjà 5. J'ai pas zoomé, excusez-moi, mais bon, je pense que vous aviez bien vu. Et le reste. Allez, ah. Un petit coup de peigne avec les doigts. Et voilà. Jolie couleur, voyez, un peu pastel. Et bien sûr, il y a quand même plusieurs sortes de jaunes. Voilà. Donc, c'est les plaquettes qu'on aime bien, hein, avec la référence. Oups là. Le numéro de la couleur, la référence d'IMC et le nombre de fils dont on a besoin pour broder. Donc 0,5, bien sûr, comme je vous répète à chaque fois, ils vous mettent un fil entier. Et on a nos deux aiguilles, comme d'habitude. Voilà, bah, écoutez, je vous ai montré les 6 broderies, les 6 kits de broderie. Je termine de ranger celle-là et on va parler... fric. Alors, ce lot de kits de broderie, donc qui se compose de 6 kits, c'est du Joy Sunday, comme vous avez pu voir, je vous dézoome, ça ira beaucoup mieux. Donc, c'est 21 sur 21 cm. Donc, tout à l'heure, je disais 20, donc ça fait peut-être un petit peu moins au niveau du dessin. Le lot de 6 kits, si vous prenez les 6 d'un coup, il est à $15,95. Et si vous les prenez à l'unité, donc une par une, le kit est à €2,83. Voilà. Moi, je remercie beaucoup la boutique Biggest Craft. Je suis toujours contente de présenter les articles de chez eux. C'est une bonne boutique.
Y a du choix, n'hésitez pas, il y a plusieurs catégories, n'hésitez pas à y aller, à fouiller, à regarder un peu partout. Ben là, je crois que j'ai tout dit. Là, je vous remontre ces deux, voyez, c'est du métal. Je vous remontre ces deux petits objets. Je les aime beaucoup, ils sont très jolis. Voilà. Donc, si vous voulez faire plusieurs fils avec, moi, je vais juste les garder peut-être, mais pour décorer sur mon bureau. Ou voilà, je vais faire, c'est ce que je pense faire. Moi, en attendant, je vais vous faire à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.